quand j'ai commencé l'idée d'apprendre ce métier-là, j'ai visité pas mal de spectacles à l'opéra et moi j'ai toujours impressionné beaucoup le rôle de chef d'orchestre parce que c'est lui qui, au spectacle, c'est lui qui dirige tout, il dirige les musiciens, il dirige le plateau. J'ai entré à l'université, à l'époque c'était l'école supérieure de musique à Vienne. J'ai fait les cours de direction d'orchestre et après j'ai gagné le premier prix Concours Besançon en 1984 et comme ça j'ai commencé la carrière comme chef d'orchestre. Pour moi, le grand professeur, c'était mon professeur de direction d'orchestre. C'est quelqu'un qui n'est pas connu comme chef d'orchestre, il s'appelle Österreich, Monsieur Autriche. Mais c'est lui qui a formé une génération de chefs d'orchestre. Il était très très profond, il était vraiment très très précis. Et là, il a essayé vraiment de créer un style de chef d'orchestre de Vienne, c'est-à-dire vraiment une vraie école de chef d'orchestre. Et après, j'ai travaillé avec Laurie Massel. J'étais 2 ans assistant de Laurie Massel avec l'Orchestre National de France. Chaque grand chef d'orchestre a une certaine personnalité, une certaine manière de l'interprétation. Et pour moi, il n'y a pas les 3 ou les 5 chefs d'orchestre qui sont comme référence. Mais j'essaie vraiment de me développer comme chef d'orchestre, de ne pas prendre, pas être jamais une copie d'un autre chef d'orchestre. C'est Philippe Bender qui m'a invité pour une première fois pour un concert ici à Cannes. Et moi, je trouve que tout de suite, le contact entre les musiciens et moi, c'était bien, c'était très très bien passé. Les répétitions, aussi les concerts. J'ai rencontré les musiciens à l'occasion très différente, la situation très très différente. Et peu à peu, on a développé une relation, moi je trouve très professionnelle bien sûr, mais aussi très amicale. Le chef d'orchestre est responsable, bien sûr, pour l'orchestre, pour les musiciens, mais c'est quelqu'un qui travaille avec les musiciens. On garde les idées des compositeurs. Bien sûr, développer aussi de nouvelles idées, mais quand même, chaque idée doit avoir une certaine source, une relation avec la partition, avec les idées des compositeurs. Je pense que l'Orchestre de Cannes est idéal pour commencer une carrière. Si on a commencé la carrière ici à Cannes, peut-être on peut créer une certaine fidélité entre les grands solistes qui reviennent de temps en temps chez nous.